Et salut à tous CDS pour la saison 2 de Rusk et cette première journée de match où il y a eu au total combien de matchs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs dont certains ont été joués la deuxième journée. Et là je vais commencer tout de suite avec un match 1v1 qui propose un match donc entre Pierrus allemand et Jean JMWW2 anglais sur une map cimetière de chars et un match qui représente le Kenya contre Madagascar. Donc voyons voir si l'anglais qui attaque Madagascar va réussir à capturer ou non ce territoire, sachant que l'allemand est en défense. Nous allons regarder tout de suite ce match qui sera donc commenté en direct et en public devant vos yeux ébahis. Alors comme je vous l'ai dit, on a d'un côté Jean qui est anglais contre Pyrrhus qui est allemand, sachant que c'est l'anglais qui décide d'attaquer l'allemand. On voit tout de suite un départ donc de Pyrrhus sur un aéroport de la part d'un anglais, c'est assez classique, avec un puits de dépôt et même trois dépôts, donc trois dépôts et un aéroport, ce qui est quand même un départ assez orienté économie, tandis que l'allemand part sur un camouflage avec un décryptage pour voir ce que fait son adversaire. Donc il constate qu'il fait un aéroport, il construit donc une base d'artillerie DCA, donc sûrement pour de l'anti-air, une caserne pour les reconnaissances, et voilà, on voit tout de suite un flak 20 mm qui vient de sortir, et il part lui, à la différence de son adversaire, sur deux dépôts, donc trois dépôts d'un côté, deux dépôts de l'autre, avec un aéroport qui coûte 40$ et 3 dépôts à 40, ça fait 120 plus 40, 160, il lui reste alors 40$ pour faire autre chose. Donc là il balance des transports aériens d'une valeur de 15$, donc à ce moment là il a quasiment sorti tout son argent pour tenter de prendre les villes. Il va tenter de prendre les villes, ce qui est une bonne idée sur cette map puisque les villes sont extrêmement importantes à tenir, car les endroits les plus dangereux d'où on peut se faire attaquer, je pense, hormis le milieu, sachant qu'il y a également une ville au milieu, donc... Et non. Oh là là, on va regarder ce qu'il a fait, notre ami Jean. Il n'a pas largué ses parachutistes sur les villes, mais il va tenter de contourner son adversaire. Comme on le voit, il a mis un décryptage, donc pour voir ce que fait son adversaire, qui vient juste de se terminer, et un espionnage pour voir quelles étaient les unités adverses, et il a dû constater que les flak 20 étaient très peu nombreux. Donc il se permet en fait de narguer son adversaire en envoyant des parachutistes, ce qui peut être extrêmement bien joué puisqu'on peut constater là qu'il y a un dépôt. Et en général un parachutiste peut vraiment être ennuyant sur des dépôts. Donc je pense qu'il est en train de jouer l'économie, sachant qu'il est parti sur 3 dépôts, que son adversaire est parti sur uniquement 2 dépôts, et qu'en plus il n'a pas l'intention d'en faire un troisième. Économiquement l'allemand est beaucoup moins bien parti que l'anglais, et si en plus il perd un dépôt, alors là on voit le parachutiste a pu toucher le sol. Chose qui est toujours amusante dans Russe, c'est que si vous avez un seul bonhomme qui touche le sol, vous avez toute votre troupe qui est complète. Donc si on zoome, on peut voir que ils sont 1, 2, 3, bon ils sont tous là quoi. Donc voilà, de l'autre côté encore des anglais qui atterrissent dans la ville. Donc là je pense que c'est moins bien joué puisque en fait là ça sert pas à grand chose. Et je pense que notre ami Jean a oublié que son infanterie avait touché le sol puisqu'elle est restée longtemps sur place sans bouger, et que le SDK en face, donc reconnaissance blindée, a fait le ménage. On a une unité ici qui traîne encore, qui est normalement dans la ville, donc pas visible par l'anglais. Alors je sais pas pourquoi on voit un pion. Bon, admettons, je suis pas sûr qu'on doit que l'allemand voyait ce pion à ce moment-là. Donc en tout cas, Jean se garde une réserve en fait d'un pion, d'un parachutiste, pour attaquer éventuellement dans le dos de l'allemand. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Donc on a une reconnaissance anglaise qui est sortie. On a donc toujours cet aéroport qui est présent. Et quelques infanteries qui sont ici en train de tenter de prendre la ville, qui sont défendues par l'anglais. Donc l'anglais a sorti une caserne en ce moment. Ah non, il a sorti des parachutistes. Voilà, il a balancé des parachutistes un peu partout pour ne pas avoir à faire de... pour ne pas avoir à faire de caserne. Ce qui est pas plus mal en fait, puisque les paras sont utilisables sans développement chez les anglais, donc c'est toujours bon à prendre. On va accélérer un peu puisque là il se passe pas grand chose. On va attendre de voir ce qui va se passer. Donc là on voit que l'anglais a toujours de l'aviation, tandis que l'allemand ne réagit pas avec de l'aviation mais continue à réagir avec du flak 20 qu'il essaye de disperser un peu partout. On a un Sturm Grenadier, donc une infanterie allemande qui est morte entre temps ici. Peu importante.
Qu'est-ce que fait notre ami anglais? Donc il tente Vickers infanterie au milieu. Donc là on doit avoir un Vickers que j'ai cru voir passer. Donc voilà le Vickers de l'infanterie face à de l'infanterie allemande, je pense, plus des recos blindés. Donc normalement et non, les recos blindés, qu'est-ce qu'il en a fait notre ami Pierrus? Il a plus de recos blindés. Ah, il en a plus qu'une seule alors. Je sais pas en fait, j'ai pas regardé le la zone, mais il semblerait qu'il ait perdu des recos blindés. Ou alors qu'il en ait eu qu'une. Ce qui est un peu dommage, puisqu'il aurait simplement mis une reco blindée à ce niveau-là. Il aurait pu déjà... Ah voilà, là voilà. Je me disais aussi qu'il y avait peut-être une erreur à ce niveau-là. Chose qui est étonnante, il a fait de l'artillerie. Je comprends pas trop l'intérêt, puisqu'il a pas de dépôt à proximité. Et contre l'infanterie, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus puissant. On voit que son infanterie peut largement faire l'affaire. Sachant que c'est juste des grenadiers, donc il a même pas développé les jetons grenadiers. Ah, ça devient dur quand même pour le pour l'allemand. Qui est pas mal parti sur de la défense, donc il réussit aisément à repousser son adversaire, mais l'anglais quand même avec quelques paras quand même réussit à faire un bon pressing avec un Hurricane qui va peut-être prendre cher, puisqu'il y a quand même du flak 20 dans le coin, et qui fait une fausse manœuvre. Alors là c'est dommage, il a pas fait demi-tour tout de suite, on l'a vu qu'il est revenu au-dessus des flak 20, ça allait peut-être lui payer, et oui ça va lui coûter la vie tout simplement. Donc il a perdu un Hurricane bêtement, mais vraiment bêtement, mais des fois les ordres au niveau de l'infanterie sont un peu aléatoires, donc on a du mal à les jauger au niveau de l'infanterie, au niveau de l'aviation, donc là c'était un peu raté. Là on voit que l'artillerie qui a servi à rien depuis le début est en train de reculer face à l'infanterie, que le nid de mitrailleuse fait son travail, plus le SDK, donc ça c'est plutôt bien joué parce que bah, l'infanterie va être anéantie. Je pense qu'il y a peu de chances qu'elle réussisse à prendre le QG, mais non, c'est dommage, ça s'est pas joué à grand chose, malgré le FANA. Puisque le SDK et la ligne mitrailleuse ont largement fait le ménage. On a toujours un Vickers ici qui lui ne fait rien, plus une infanterie. De toute façon je vois pas bien ce qu'il pourrait faire. Éventuellement aller faire le ménage dans cette zone où il y a du flak 20. Parce que le Vickers tire sur le flak 20. Donc voilà une partie qui stagne avec un anglais qui fait de l'aviation, qui est un grand classique. Il fait une base de blindés également. Il est parti sur 4 dépôts désormais, tandis que l'allemand est sur uniquement 3 dépôts. Donc il doit y en avoir un ici, un ici, un ici. Hop, on va ralentir un peu. Donc là on a vu que l'anglais faisait donc des chars. On a vu sa base de blindés tout à l'heure. Et il est arrivé à proximité avec des Churchill, je crois, non? Des Cromwell, ok, autant pour moi. Donc les Cromwell qui se sont fait mais littéralement démontés par à la fois donc de l'infanterie, des flak 88, tout ça à bout portant. Alors c'est dommage, je suis passé un peu vite dessus, mais bon. Qu'est-ce qu'il nous reste à notre ami anglais? Des Vickers, un peu d'infanterie. Donc là on voit qu'au niveau point, l'allemand a largement pris le devant. Hein, parce qu'il a joué la défense et que l'anglais est venu se casser les dents sur cette défense. Donc on réaccélère à nouveau. Donc là je pense qu'on a encore du... on a une caserne avec du Vickers. C'est une bonne idée. Là on va avoir une attaque surprise qui va marcher. Donc il reprend la ville, il avance avec ses Vickers. Tandis que l'allemand lui en face, qu'est-ce qu'il fait? Donc on va ralentir un peu tout ça. Il est en train de partir sur de l'artillerie, du flak 88 et un peu de Panzer 3, si je ne m'abuse. Enfin, un Panzer 3, en fait, pour être tout à fait juste. Plus, ah, du Panzer 4. Donc, il commence à sortir du char, ce qui n'est pas forcément bon pour l'anglais, qui a sorti donc une base de blindés chez lui, plus une deuxième base de blindés ici, et une caserne. Je pense que c'est une grosse erreur de sa part, puisque sortir une caserne d'un côté et une base de blindés de l'autre, c'est difficile à gérer. Il aurait mieux fait de mettre les deux du même côté. Et il fait une autre base d'artillerie. C'est un peu bizarre ce qu'il est en train de faire notre ami, sachant que ce sont des vraies bases, ouais. Donc ça fait beaucoup de bâtiments éparpillés un peu partout qui vont être difficiles à gérer. Par contre économiquement il a très bien joué quoi. Il a 2, 4, 6, 7 dépôts. Donc l'économie il la maîtrise largement. Il est en train de vraiment prendre en sandwich son adversaire. Malheureusement l'allemand lui défend bien, pour l'anglais en tout cas. Et on voit qu'il y a toujours 3 dépôts pour l'allemand face à 7 dépôts sur l'anglais, donc on a du mal à comprendre pourquoi l'anglais a du mal à enfoncer les lignes ennemies, mais tout simplement parce que bah, il avance sans reconnaissance. Si, autant pour moi, il y a le ACMK1 qui est là, qui doit pas avoir une portée suffisante à mon avis pour, voilà, c'est ce que je pensais, il doit voir à peu près au niveau de la forêt, mais pas plus loin. Et puis en plus, les Cromwell sont pas forcément des chars très très puissants face au Panzer 4. Tout à l'heure je parlais de Churchill, je me suis trompé, c'est les Matilda auxquels je pensais. Les Churchill sont disponibles dans la base proto. Donc les Matilda, ça c'est peut-être une meilleure idée avec les MK1, ACMK1, voilà. Ça peut être un bon duo.
À ce stade-là, l'Allemand il a une grosse défense anti-aérienne bien groupée, bien éparpillée aussi sur les flancs. Donc l'aviation elle devient vite obsolète dans ce genre de partie quand on prend pas l'ascendant sur son adversaire. Tiens, on a une magnifique, magnifique bâtiment ici. Je pense jamais à regarder vraiment les détails de ruse, mais quand même les graphismes sont magnifiques. Donc on va réaccélérer, hein, il reste 10 minutes de jeu, donc en accélération. On a l'anglais qui commence à faire de l'artillerie, ce qui est pas plus mal, parce que c'est un bon moyen avec les howitzers d'embêter son adversaire. Il a des chars ici qui peuvent aussi devenir vite embêtants, sachant que l'allemand avait fait aussi de la base d'artillerie tout à l'heure, donc est en train d'artiller la base de blindés. Donc on a des howitzers ici qui sont pas protégés, avec un Panzer IV qui pénètre les lignes et qui détruit donc les deux howitzers et qui se fait détruire enfin. Donc comparativement, il a détruit deux howitzers à $40 plus la base de blindés qui est épargne. Comme je disais tout à l'heure, elle est vraiment à l'écart de tout, quoi. C'est-à-dire que là, elle se fait artiller, mais il peut vraiment rien faire parce que il peut pas mettre des camouflages partout. Donc sa base de blindés, j'ai peur qu'en encore 2-3 salves, elle tombe. Il lui resterait plus qu'une base d'infanterie et de l'artillerie, mais comme il a perdu lourd en artillerie, je pense que voilà, il va refaire des howitzers, mais il en fera pas beaucoup plus à mon avis. Et de toute façon, c'est du harcèlement l'artillerie, mais au bout d'un moment, ça mène à rien, quoi, parce que face à des blindés, face à un camouflage, on tire un peu au hasard, donc on fait pas beaucoup de dégâts, et je pense que là, il est en train de perdre de l'argent, et il aurait mieux fait de faire des chars. Donc, comme je le disais, de toute façon, voilà, ce qui s'est passé, c'est ça, c'est que là, on voit bien que la base a été détruite, hein. C'était évident, de toute façon, à l'écart comme ça, il aurait mieux fait de tout miser sur un flanc, celui-ci ou lui, hein, peu importe, pour ensuite enfoncer les lignes ennemies. Là on voit qu'il tente une attaque, un guard qui se perd un peu au nord-est, nord-ouest, pardon, quand on est orienté comme ça évidemment. Ce qui est un peu dommage aussi parce qu'il n'y a pas de reconnaissance, mais avec les anglais c'est toujours difficile d'avoir des reconnaissances, quoi. Hormis la base de blindés, éventuellement les reconnaissances aériennes, il n'y a pas grand chose. Mais là c'était quasiment une attaque pour le plaisir, on va dire. Donc voilà, il reste 5 minutes de jeu, on va accélérer un peu parce que là c'est un affront... c'est un assaut frontal en fait entre les Matilda et les Panzer IV, là où les Matilda ont aucune chance, plus l'artillerie qui est contrainte de forcer, de reculer. Notre ami Jean qui pense pas à ressortir des blindés, ce qui est quand même dommage parce qu'en face là il y a les blindés ennemis qui arrivent. Alors il a des chasseurs bombardiers, c'est bien, mais en face il a quand même quelques anti-air. Voilà, la base d'artillerie qui a été détruite, les Matilda qui sont en train de se faire rouler dessus, et les Panzer IV qui continuent à massacrer les Matilda. Mais les Hurricanes quand même qui font un sacré ils élaguent pas mal dans les rangs ennemis là, donc ça commence à être pas mal pour lui, mais quand on regarde le score 920 à 420, clairement l'anglais il a perdu, mais perdu beaucoup d'unités bêtement, parce que c'est des assauts frontaux sur un groupe d'unités ici, et malheureusement il avait beaucoup d'argent, donc il aurait pu faire quelque chose de sympa s'il s'était pas acharné comme ça. Sans grouper ses forces. Donc là on peut voir que voilà, on va accélérer puisqu'il reste plus grand chose, il va rien se passer de plus. Les howitzers qui partent à la mort, hein, tout simplement, puisque je sais même pas sur quoi ils vont pouvoir tirer. Et voilà, le match qui se termine donc sur une victoire totale de l'Axe, qui a donc fièrement défendu Madagascar. Donc voilà, c'était la première vidéo de la première journée de Rusk saison 2, et ce sera principalement des matchs 2v2 et 1v1 que je vais commenter, puisque les 2v1 sont en général gagnés par les équipes de 2 et sont peu intéressants. Donc voilà, c'était le premier match que je commente pour vous, pour Rusk saison 2, pour la SS-117 évidemment. Donc voilà, c'était DS, et je vous dis à bientôt pour la suite. Merci à tous de nous avoir suivis. Salut.